Petit ours brun. Coup de sac à dos. Les sorteurs. T'en penses quoi, Ayla? Cette antiquité va tenir encore quelques mois? Ouais, moi non plus. Si t'as des crampes aux fesses à force de rester assis, tu peux toujours venir me donner un coup de main. Non, ça va. En plus, je serais pas d'une grande aide. Là-dessus, on est d'accord. Écoute, l'MPT, c'est pour les geeks. Ah ouais. Ah, d'accord. Je comprends mieux. T'as Mais trop peur je de me demande super si ça a une cerveau, suite logique entre les deux. Un super cerveau qui a besoin d'un membre senior du personnel comme moi pour inspecter chaque parabole. Tu te souviens? Attends, t'admets enfin que t'es vieux? Enfin bref, j'en vois le bout. Il faut juste que j'enlève la plaque qui obstrue le faisceau. Tu préviens la station lunaire pour la parabole? Ouais, c'est fait. Il faut bien reconnecter les points stream au récepteur. Mmh, ça marche. Y'a rien. Y'a pas assez de puissance. Oh putain, j'ai plein d'objectifs à faire. Une planète à sauver. Astro-outil. On peut pas glisser comme dans Call of Duty. Ah! Mauvaise touche. Alors, sauter ne fonctionne pas. On peut mourir dans le jeu. Ah ouais, mais non. On va pas revoir 30 fois la vidéo. Là-dessus, on est d'accord. Écoute, la MPT, c'est pour les geeks. Ah ouais. Ah, d'accord. Je comprends mieux. T'as trop peur de mon super cerveau, c'est ça? Un super cerveau qui a besoin d'un... On va éviter de sauter de trop, hein. ...comme moi, pour inspecter chaque parabole, tu te souviens? Attends, t'admets enfin que t'es vieux? Si tu veux. Enfin bref, j'en vois le bout. Il faut juste que j'enlève la plaque qui obstrue le faisceau. Tu préviens la station lunaire pour la parabole? Ouais, c'est fait. Il faut bien reconnecter les points stream. On va descendre tranquille au bilou, hein. Alors, faut s'y être. Comment il est parti le morceau? J'ai un laser. Ok, il reste plus qu'à connecter les points stream. Des points stream? C'est des points de chaîne. Comment on connecte les points stream? Non, on pourra le faire sur l'écran. Oula. Oula, il commence à avoir des trous dès le départ, quoi. Calmez-vous, bro.
J'ai peur qu'il y aurait des trucs à ramasser, quoi. Et que je passerai à côté, forcément. Putain, y'a pas une touche pour, glissoyer. Déjà, c'est pas espace. Ça, c'est sûr. Espace, je saute, je meurs. Laisse-moi connecter ces points stream et j'arrive. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire, comment, où? On va aller voler. Voilà. Capté avant le stream. Genre, tu devais avoir une centaine de câbles emmêlés dans le salon. Je m'en souviens bien. C'est exactement ça. Ok. J'ai plus qu'à trouver le point de réception et à le connecter. Où est-ce que ce bordel? Non. Hop là. Les deux côtés. Comment je suis censé passer le truc là? Ça le charge là quand même? Je peux pas le couper. Première énigme, let's go, on fait de la merde, hein. Je sais plus parler. Ça... ça a toujours été, ça. Parce que le truc est juste derrière. Ah, maintenant, j'ai compris, je crois. Celui-là, il alimente celui-là. Mais l'autre alimente l'autre. Ah, il est fermé. C'est embêtant. Pourquoi c'est fermé? Du rallye. Non. Je peux pas passer au-dessus. Pourquoi elle est fermée la porte? Ouf, j'ai failli mourir. Ah, c'est peut-être parce que c'est lui. Ah, je sais. C'est parce que c'est lui qui l'ouvrait. Je fais de la merde. Donc lui, il a besoin d'aller là. Là. Attendez, il faut que ça monte au cerveau là. Lui, il va lui monter. Bouge ta tête, pour... Fais là, attention, faut pas croiser les effluves. Voilà! Quelle intelligence, waouh. Du coup, faut que je remonte pour réalimenter les trucs là en haut. Non. Et on va suivre le câble bleu. Bah ouais, mais sur les écrans je peux rien faire moi. Là je peux rien faire dessus, non. Il doit y avoir un autre café. Ah non, c'est ouvert la grille là-bas. Ok bro, je suis trop pressé. Is. Moi je vais mourir encore une fois.
Ah bah on m'attendait en fait. Allez, c'est moi qui conduis. Que je dois connecter à un point stream. Ces paraboles devraient pas user du réseau de secours. Ouais, comme tout ce qui se trouve ici. Ces petites antennes ne supporteront pas un autre choc thermique. Encore moins avec tout ce jus qui passe en continu. Tu sais que personne ne comprend ce que tu dis, pas vrai? Tu sais ce qu'il y a un redresseur d'ondes cyclotroniques quand même. Non, là t'inventes juste des mots. Allez, monte. Ah bah j'avais fini. Oh, je peux monter derrière. Let's go. Je suis une thug. C'est la phase présentation du jeu. Petite balade en voiture. Voilà. C'est trop fort quoi. Claire m'a incendié pour t'avoir offert une bière l'autre jour. Mauviette. Écoute, ta sœur est peut-être pas très grande, mais lorsqu'il s'agit de toi, elle serait capable d'étrangler un lion. Elle serait capable de te tuer. Allô. Attends, j'ai un message. Je dois aller voir Maria immédiatement. Oh le mytho. Maria? Ça doit être vraiment sérieux. Et je peux venir? Non. T'as qu'à me faire passer la sécurité. Une fois dedans, j'aurai juste à... Non. Très bien. Je connais ce très bien. Claire? Tu m'en aurais eu avec Maria? La réunion à laquelle tu t'es pas invité. S'il te plaît, Claire, si tu me fais passer la sécurité, je pourrais... Par contre, la musique est un peu trop forte par rapport à la voix, j'ai l'impression, là, calmez-vous, là, un peu. Volume de la musique. Peut-être parler à Ryan. C'est bon, j'attendrai qu'on m'en parle. Je peux rien faire, là. Non. J'ai pas capté WSA. C'est quasi le même truc que la NASA. Mais du coup, je pense pas que ça a une suite ou un rapport avec le premier. Où est passé le Ryan diplomatique que je connais? Il sert plus à rien, on dirait. Parce que de mémoire, ça a pété. Je crois qu'il y avait un truc avec le soleil ou quoi dans le 1. Ou c'était une tempête. Non, fallait prendre la fusée avant une tempête de sable. Je crois. Donc non, ça va, ils sont pas morts. Mais est-ce qu'il y a un rapport quand même entre les deux? Je ne sais pas. Pour l'instant, il n'y en a pas. Voilà. À moins que son père. Sérieux? Bah non, que oui. Non. Laisse les grandes personnes non, non, non. Cette réunion secrète d'abord. J'allais dire son père, au pire c'était lui qui jouait dans le 1 qui allait sur la lune, mais non, c'est pas possible. Tu tenteras rien de stupide pour y aller. Parce que... N'y pense même pas. D'accord. Je sais pas, peut-être on va en savoir plus au fur et à mesure du jeu, je sais pas, on verra bien. Très bien. Il doit y avoir un autre accès au bureau de Maria. Ça s'appelle mentir. En route. Je peux pas parler aux gens. Je peux pas utiliser mon laser quand je veux là. Analyser. Ouais. Des succès, j'adore. Il y en a qui a pas fini son coca. Attends, on dirait une prison le truc. Putain, mais la laser qui coupe tout, elle s'en sert jamais. Bonjour. J'ai rendez-vous avec monsieur Fichot. Ah ouais, putain, elle trace, hein, elle a pas le temps, elle. C'est fermé. Le musée. Ouais, c'est vrai qu'on peut couper par là. Et j'irai bien y faire un tour. Ça fait tellement longtemps. Ça c'est quoi? C'est sur la lune? Je sais pas, faut que je trouve des rapports entre les deux. Et il me semblait pas que dans...
Ça, ça ressemble à la fusée du 1, ça, par contre. Il semble pas que dans le 1, on avait un petit robot qui nous suivait. Je m'en souviens plus. Il y a peut-être possibilité, ouais. Ah, oh, notre père, let's go. MacArthur. La Verd. Mis en place par les membres du Conseil Lunaire peu avant la coupure générale, le projet Outward a vu l'évacuation de presque tous les résidents de la base lunaire à bord de trois grands vaisseaux connus sous le nom d'Arch. La localisation des traîtres du Conseil ainsi que du reste de l'équipage lunaire reste inconnue à ce jour. Mon père a imaginé et construit la plupart de leurs arches, comme presque tout ce qui se trouve à la WSA. C'était censé être un plan de secours pour la colonie en cas de gros problème. Donc il y a bien un rapport. En gros, son père et eux deux faisaient partie du Conseil Lunaire. Qu'on a vu au début qu'ils se sont barrés. Enfin lui, en tout cas mon père s'est barré. Et en gros, c'est ce qui fait que dans le 1, on n'avait plus contact avec la Lune. Je pense. Vu que tout le monde s'était barré, forcément, il n'y a plus de contact. Et nous, on avait été envoyés pour remettre en gros en route. En route les machines et tout pour réactiver les communications, tout ça, tout ça. Donc notre perso qu'on jouait, je pense pas qu'il y a un rapport, mais l'histoire est là. On va tenter notre chance avec cette porte. On peut contre. Waouh! New gameplay, bro! Eh bah, j'aurais essayé. Salut, Marc. Marc. Ça doit être la même mère. Qui se beau gosse là. Maria. Claire. Ok, ça c'est notre sœur. C'est la classe. Vraiment les cheveux, ça part en steak. Hein. Elle a des épis, frère. je crois que la fonctionnalité n'est pas très très au point. Tu veux rire? Tu fais encore super jeune. Merci, j'essaie. Ah ouais? Toi, essayez. C'est ça. Enfin, je veux dire que tu... Merci. T'as pas besoin... Bien, Alex, d'essayer. Tu vas dans le bureau de Maria? Pourquoi? Ah, je vais par là aussi. Alors, ouais, tout pareil, ouais. Moi, je suis tout le monde. J'ai rendez-vous pour une réunion très importante. Sur la mission Fortuna en venant ici. Ok, c'est bien. T'es resté combien de temps sur la Lune? J'étais dans la station spatiale, en général. Ah oui, c'est pour ça que je t'ai jamais vu à la surface. Moi, je t'ai vu. J'ai l'impression que ça tacle un peu. C'est vrai? Non. Oui, quand je faisais des mises à jour pour la SE de Rosa. Ah oui, Laz. Non, la SE. Oui, enfin non. En fait, je l'appelais AS parce que j'avais pas compris que c'était un acronyme. Alors, j'ai pris l'habitude de dire AS et du coup, Rosa fait comme moi. C'est vrai que ça prête à confusion. Un peu. D'accord. Ouais. Faut regarder les mots de passe, là. Le tien s'appelle Alex, non? Et où est-ce que tu vas? Attends, t'as pas répondu à ma question. Laquelle? Le temps que t'as passé sur la Lune. Je dois inclure les années de vieux sommeil forcé ou pas? Désolée, je voulais pas... Je dois vraiment aller à cette réunion, Cathy. Je tenais à m'excuser pour ce qui s'est passé avec mon père. Je sais qu'il voulait pas faire ça, c'est pour ça qu'il a essayé de te sauver sur la Lune.
Me sauver? Ton père n'a pas... Cathy, je veux pas te manquer de respect, mais... Ce que ton père et le Conseil Lunaire ont fait, c'est... Ils nous ont abandonnés. Ils ont commis le pire crime qu'on puisse imaginer. Envers l'humanité et notre planète. Ils méritent d'être punis pour ce qu'ils ont fait. Est-ce que je vous dérange? Non. Non? C'est déjà arrivé tellement de fois que je ne suis pas surprise de te voir ici. Puisque je suis arrivée jusque-là, vous pouvez bien me laisser... Non. Maria va être en vidéo, vous pouvez bien me... Non. Non. Ok, je parie que vous avez répété. Non, les cheveux, c'est pas ça. Hein. Bien sûr qu'on a répété. Bon travail. J'aime bien faire le rebelle. Allons-y. 6 ans. Quoi? Sur la Lune. J'ai passé 6 ans. Désolée de ne pas t'avoir répondu plus tôt. Ah, merci. Bah, nice. Oula. On m'a pas écouté. Je vous vois. Ah, ils sont sur Messenger. Faut un appel Messenger. Ou Discord. Ils appellent qui, Mario Gonzalez? On va encore avoir des ennuis, nous, je sais pas pourquoi. Regarde, elle a un putain de laser qui coupe tout. Je peux jamais l'utiliser, quoi. Ouais, enfin, la lampe torche, je suis pas sûr que ce soit vraiment utile. Moi je coupe des trucs voilà quoi. J'ai l'impression que ça sert à rien. Ah peut-être que c'est là. On coupe tôt non. Bzz, bzz. Alors ça sent. Oh lolo, quel jump! Waouh! J'ai fait ça toute ma vie! Personnellement, j'y croyais pas. Hein. Oh, je vais devoir. Ah oui! Elle passe. Ok. Super! Elle passe par les conduits d'aération pour aller écouter les conversations. Ah, super! Ah, je fais zéro effort, je saute pas. Je vais plus réussir à faire le saut. Faut dire que la première fois que j'ai fait un putain de saut. Voilà. Mais là, par contre, on peut pas monter là. Ça me paraît un peu haut là. Elle veut pas sauter dessus, Zubé. Y'a pas autre chose à faillir. Genre à casser à haut. Apparemment non. Je peux pas genre sauter de là. Non. Putain, ils ont tout pensé. Il doit y avoir un truc à faire mais je vois pas quoi. Voilà, j'ai trouvé. Ça va, on peut aller loin avec. Hein. On est sûr qu'il n'y a aucun doute. L'équipe DSC
C'est sûrement eux. Oui. On peut affirmer sans l'ombre d'un doute que le projet Outward nous a directement envoyé ce signal. Volontairement. J'en reviens pas. Ils sont sur Mars. Et depuis les 13 dernières années, apparemment. Plus proche qu'aucun de nous l'aurait imaginé. Tu vas bien ? J'imagine que c'est pas facile à entendre avec... Ça va, ça va. Donc je suppose qu'on peut enfin justifier la mission Opéra ? Oui. La mission Opéra ? Depuis qu'on a ramené Sarah et Cathy de la Lune, un plan d'urgence a été élaboré, au cas où on découvrirait l'emplacement d'Outward. Au cours de la mission Vestia, on a appris que les trois vaisseaux Arches utilisés par Outward pour fuir la Lune ne servaient pas au transport. Nos informations nous laissent à penser que ces trois arches forment en fait une triade, comme une colonie qui serait complètement autonome. Mais pourquoi nous joindre ? Et maintenant ? C'est un signal de détresse ou une invitation ? Peu importe, la mission Opéra a un seul objectif. Ramener les arches et leur technologie révolutionnaire chez nous. Non. Tout péter. On devrait analyser le signal de détresse pour pouvoir déterminer le cryptage utilisé. C'est en cours, en ce moment même. Je peux activer l'accès au terminal dans le bureau. Voyez ce que ça donne. Ayla, vite. Fais-nous entrer là-dedans. Attends, je trouve un chemin. En gros, là, notre mission, ça sera de retrouver les trois arches avec les anciens fondateurs de la WSA. Là. Parfait, Ayla, reste tu. Ce que vous allez entendre ne doit pas quitter cette pièce. C'est compris ? Ça hack. Petite Ours. Je ne vais pas vous mentir sur l'état actuel de la situation. L'atmosphère continue. Ah, il y a traduit peut-être. À une vitesse alarmante. La MPT lunaire réduit peut-être les besoins énergétiques de la planète. Et encore. Ah, c'est ça qu'on a dû réactiver sur la Lune là, ce que vous avez vu les pylônes laser. J'aimerais commencer par inclure Ryan et Sarah dans l'équipe. En plus d'exceller dans leurs domaines respectifs, ils me sont indispensables. Je leur confierai ma vie. Ça nous laisse un poste à combler. Oui. Hey, salut. Au risque de passer pour un idiot, je pense qu'on devrait prendre Cathy. Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Elle était bien au-dessus des autres diplômés du programme. Tu veux dire de la seule classe d'astronaute qu'on a eue ces 10 dernières années ? Ça change rien au fait qu'elle a excellé dans tous les exercices, parfois même en doublant mes scores. Je sais que tu veux pas la mêler à ça, mais c'est la meilleure ingénieure en MPT qu'on a. On a besoin de son expertise. Et même si j'admettrais jamais avoir dit ça sous serment, le fait est que... Cathy est la personne la plus douée qui travaille pour la WSA. En plus de vous deux. Et de moi. Bien sûr. On n'est pas en train de parler sérieusement, là, si ? Elle n'a aucune expérience. Elle compromettrait toute la mission. Sarah a raison, Cathy ne devrait pas rejoindre l'équipe. Il y a trop de facteurs à prendre en compte. Salut, Maria. Je peux entrer, s'il vous plaît ? Sérieusement ? S'il te plaît, Claire, laisse-moi prendre part à cette mission. Tu nous espionnais. Oui, et j'en suis désolée, mais Claire... Tu sais que j'ai fait mes preuves dans la WSA. J'ai 2 maîtrises scientifiques, spécialité technologie stream. Je suis sortie première du programme d'astronaute, comme l'a dit Ryan. C'est gentil de ta part, d'ailleurs, merci. De rien. Et il vous faut un expert en MPT. S'il te plaît... Un MPT. Je peux le faire. On peut le faire.
Oh, mais les cheveux. Oh. Quoi? Trois autres astronautes. Ça me fait penser à. Je crois que c'était Tomb Raider avait le même problème. Je pense que tu devrais l'emmener, Claire. Quoi? 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 Cool. C'est l'une des personnes les plus qualifiées de la WSA. Mais bien sûr, la décision finale te revient. Ok, Cathy. Même si le dernier argument de Ryan était plutôt faible. Ouais. Mais. Je suis sûre que tu feras tout ton possible pour garantir le succès de la mission. Pas vrai? Non. Bien sûr. À présent, je voudrais revoir en détail la mission avec Claire, Sarah et Ryan. Tu pourrais nous laisser seuls sans écouter, cette fois? Ah, bah, vu que je fais. Cathy. Ouais, ouais. Bien sûr. Bah nice. Par contre, quand ils aient monté une équipe, je pensais plus que 4 quoi. Pas ouf. À moins qu'ils sont peut-être 4 à vivre ici, mais... Elles ont déjà mis en place le truc, hein. Oh, il y a des piolets. Ouais, Tomb Raider, let's go. Peut-être escalader des montagnes. C'est de la racrobe, je reconnais. T'es bien installée, Ayla? Besoin de quelque chose? Un café? Un magazine? Quelle diva! Ses cheveux, ça me filme, ça le fait cailler, hein, c'est ça le pire. Hein. Dire qu'elle a un pétard dans les cheveux à chaque fois que ça a une scène sur elle. T'as l'air nerveuse. Et ça t'amuse? Non, non. Oh, ça veut dire qu'on va reprendre encore une fois une fusée et let's go. Je suis fière. C'était stylé le passage de la fusée dans la... Eh, la cicatrice sur le ventre de Sarah, c'est celle que papa lui a fait? Oui, pourquoi? Simple question. Toc toc, vous êtes prête? Allons-y. Kat? Allez, let's go. Let's go to the Mars, bro. Oh, il y a une boisson, est-ce qu'on peut la prendre? Non. Ça veut dire que j'avais pas mon petit robot? On peut rien prendre. Contrôle, on se dirige vers la fusée. Bien reçu. Votre transport est prêt. Ah, je peux pas les doubler. Bien, j'ai très bien dormi. Étonnant, ça. Pas toi? Si, bien sûr. Et vous deux? Ça va. Allez, où la fusée, à où? Petit transport. Et c'est bon, j'ai compris, je rentre. Waouh, la vue FPS direct, quoi. Bonjour. Très charmant, là-dedans. Putain, il m'attendait que je m'assoie. Pour venir, quoi, c'est grave. Oh, en plus, j'ai première vue et tout. C'est sans retour. Et non... Bah, je peux encore choisir de pas monter dans la fusée si on va en fusée. Tu sais à quoi je pense? Parce que je doute qu'on aille avec ça là sur Mars. Pourquoi on vit dans les meilleures conditions que les habitants du Bitcoin? Comment ça arrive? De toute façon, là on est censé être sur Terre, à moins qu'ils ont refait un États-Unis dans une autre planète. Géographiquement et démographiquement, on est né au bon endroit au bon moment.
Ils n'ont pas eu de chance. Ouais. On dirait qu'ils veulent vraiment pas qu'on parte. Ouais, c'est World War Z. Mais si on considère le nombre de... Wow. Wesh, calmez-vous, ouais. Oui, j'ai juste eu un peu peur. Ah, sans vide les autoroutes, hein, chez eux. Mais ils sont fous. Ça sert à rien d'essayer de nous blesser. Ils comprennent pas qu'on fait ça pour les sauver ou quoi. Tu sais, ces gens seront sur la liste d'attente de la MPT jusqu'à leur mort. Tu sais, quand on est con, hein. Beaucoup de ressources pour envoyer 4 personnes dans l'espace. Ça peut mettre en colère. Ils ne comprennent pas. Mais quand on ramènera les arches, ça ira. Ou pas. Enfin, c'est possible. Et je l'espère, mais... Ah, déjà, faut revenir avec les arches. Éventuel. Même si on ramène les arches. L'espoir jaillit éternel dans le cœur de l'homme. C'est comme ça que je vois les choses. Alexander Pope. L'âme inquiète et bornée à elle-même rêve d'une vie à venir. On peut pas accélérer un peu plus On connaît bien ces classiques. La fusée. Bien sûr. Il y a un stop, hein. Oui, je... Et regardez. Oh, la fusée. Regarde. Waouh. Ma super chevelure, ça regarde pas. Dommage qu'on ait pas pu mieux la construire. Quoi? Avec toutes les pénuries de matériaux, c'est vraiment un miracle. Quoi? Ça veut dire que c'est une fusée Wish? On va péter dans les airs. On n'a pas pu nous dire à un moment qu'on allait voyager en classe éco. Je voulais pas vous inquiéter. Sauf juste au moment où on va décoller. C'était le bon moment pour le dire. Ben voyons. Eh les gars, on n'a pas de frein. Je pense qu'on peut l'utiliser pour la mission. Faisons-lui confiance. Je crois que Zephyr 3 fera parfaitement l'affaire pour la mission. De deux, c'était qui l'a utilisé? Les grands, hein? C'est bon, vous êtes arrivés. Alors, jamais de la live, j'allais dire que ça passait dedans. Heureusement que c'est une conduite automatique, hein, parce que moi, j'aurais pété un mur. Enfin, la voiture en tout cas. Waouh, je me suis fait éjecter. Let's go, c'est moi qui appuie sur le bouton. Ah, j'ai pris le truc en visant, tu peux bouger ta vue. Oh mais les cheveux, c'est n'importe quoi. Attends, on va voir si je désactive le truc. C'était groom là, ça. Bah écoute, on va laisser comme ça, hein, ce sera mieux. On se rend pas compte de sa hauteur. Un peu plus moche les cheveux, mais au moins ça part pas en steak. Ouais. Comment j'aurais le vertige là, laisse tomber, même si je suis sur une passerelle. Allez, toujours moi qui passe en premier, j'ai compris, c'est bon. Eh, hey, matez pas mon cul. Oh non, du mopo qu'on voit pas. Ah. Oh, je vais devoir appuyer sur des boutons. Bien reçu, contrôle. Waouh, c'est Fusée Simulator. Paré. Vérification des systèmes. Oxygène. T'es où? Oxygène paré. Vol paré. Navigation paré. Séquenceur de lancement. Ah, je te parle en cet à côté. Séquenceur de lancement au sol paré. Carburant paré. Oxygène liquide. Oh, trop fort. Oxygène liquide paré. Alimentation paré. Fonction de la séquence de lancement. Fonction de lancement paré. Charge de propulsion. J'étais pas loin. C'est où ça? Paré à partir. Ryan,
Étanchéité et composition de l'air du cockpit. J'ai appuyé sur des boutons, moi. Étanchéité et composition de l'air, paré. Sarah, conditionnement de la pompe à chaleur. Conditionnement paré. C'est quoi si j'étais à l'alimentation? Hein? Hein? Laisse-moi découvrir mes boutons avant de gueuler. Rétraction de l'armature réussie. Sarah, ventilation. Ça, j'ai découvert il y a pas longtemps. Comme quoi, il mettait beaucoup de vapeur d'eau et tout ça. C'est pour moins propager la fumée quand la fusée décolle. Démarrage du séquenceur de lancement automatique. Je sais plus si c'est de la vapeur d'eau ou de l'eau. 4. Rétracte le bras d'accès à l'orbiteur. Bras d'accès à l'orbiteur rentré. Reçu. Oh. Alimentation. J'ai fait nappe, c'était ça. C'est qui alimentation, c'est moi. Oh putain, faut faire un par un. Unité d'alimentation parée. Reçu. Bras ventilation d'oxygène gazeux. Y'a trop de trucs. T'as combien? À 95. Il faut le mettre à combien, Zubi? Je peux pas le savoir, moi. À 0? Ah. Apparemment, c'est 0. Ventilation rentrée. Équipe opéra, visière abaissée. Paré. Let's go. Paré. Paré. Waouh. Orbiteur du sol vers l'alimentation interne. J'ai trop de trucs à faire, moi. T'es où? Ça. Transfert terminé. Alimentation interne. Sarah, système d'atténuation du bruit de la rampe. Système d'atténuation activé. Eh, hey, y'a autant de trucs à faire dans une fusée là, putain, on peut pas avoir un truc automatique. C'est aussi ça, la puissance. Ouais, j'allume les réacteurs. C'est parti. Wouh. Oh, ça galère. Yeah. Et décollage. Houston, nous avons un problème. La fusée ne décolle pas. Oh, c'était plus sympa dans le A. Là, on voit pas grand chose. Ça fait quoi s'ils étaient les moteurs? J'ai pris mon écran. Alerte. Un peu. Attends, j'ai envie d'appuyer sur un bouton. Y'a pas un bouton rouge qui traîne là, tout pété. Voilà, si vous avez jamais vu un décollage de fusée, ça se passe comme ça. Alors, on va vraiment aller jusque Mars comme ça en vidéo? Loin un peu. C'est pas que je veux pas, mais peut-être on va passer à côté de la lune. Mon perso va faire coucou. Oula, je commence à avoir une vision trouble. Ah, on est aussi vite arrivé. Euh,
Adieu. À fond les ballons! Vers la conquête de l'espace. Eh, c'est beau. Hein. C'est bon, on peut pas se lever, avoir une vue. Veuillez patienter. Ça, c'est quoi? C'est un sablier du coup? Oh, je peux. Ça fait quoi si je fais ça? Genre, c'est éjectable? Ah non, c'est des robots, ça. Allez, Alex. Allez, Alex. Oh, je voulais éjecter mes potes. Waouh. C'est de toute beauté. Ça fume. On a pas été loin. 4 amorce la séparation de l'étage 2. Oui. Étage 3. C'est bon. Alimentation de l'étage 3. Mode croisière activé. Voilà. Comme quoi la Terre est bien ronde. On a la preuve. Pas arrêter des trucs là, putain. Pourquoi il y en a. Pourquoi il y en a deux, ils restent allumés là? C'est quoi ce bordel? Oh, peut-être on va partir en hyper vitesse là. On se prépare. Ah, bah non, mais. Boutons.